إتين كاي وأوليفييه مامونتي جوج فنانين تشكيليين من فرنسا قضوا حوالي 6 شهور في إقامة فنية في مدينة الرباط. ثمرت هذا اللقاء الفني معرض متشبع بثقافة المغرب وألوانه. إتين وأوليفييه فتحوا لنا حصريا أبواب ورشهم في العاصمة. Cette résidence, c'est né d'une rencontre. C'est des amis qui vivent au Maroc et qui, il y a un an, nous ont proposé à tous les deux de venir vivre l'expérience en fait des artistes qui sont venus peindre au Maroc. Parce qu'il y a une grande tradition en fait des artistes européens qui sont venus depuis 2 siècles travailler au Maroc. De la Croix était le premier, mais après on a eu Majorelle, on a eu Matisse. Enfin, c'est vraiment un voyage intéressant pour les peintres. La lumière marocaine est vraiment exceptionnelle. Au Maroc sans avoir rien préparé, en vivant ça vraiment comme un nouveau voyage, une nouvelle expérience. Donc je suis arrivé complètement les mains vides et donc j'ai découvert des paysages, des visages très différents, une atmosphère hyper particulière. Et en fait ça a changé énormément mon travail, autant finalement dans les thématiques que même d'un point de vue technique avec une façon de travailler très différente. Alors c'est une peinture qui est très instinctive, dans laquelle je m'intéresse vraiment plus particulièrement au visage, à l'expression. Et je dirais vraiment le focus est fait sur le regard, sur l'émotion. C'est une peinture qui est très sensible et qui est faite vraiment d'un seul jet, avec très peu de retouches derrière, très peu de... C'est vraiment une peinture assez énergique finalement. Alors, on se prépare? Ouais. Alors, on est en train de voir en fait comment on va les agencer, comment on va éclairer, parce que à 18h il va faire presque nuit, donc il va falloir qu'on trouve un moyen de mettre une belle lumière là dans l'espace. Il y a une trentaine de toiles et on en a à peu près 15 chacun et on va essayer de les disposer comme ça, intérieur, extérieur, on va faire jardin. Et ce que je pense qu'il serait bien, moi après ça c'est vous qui jugez, mais de mélanger aussi vos deux travaux, que ce soit pas une partie Olivier, une partie Étienne, mais qu'on ait vraiment le mélange aussi, parce que ça reflète un petit peu ce que vous avez vécu dans la résidence finalement. Ouais, donc, tu vois là on a disposé par exemple le grand format d'Étienne et le mien côte à côte, je trouve que c'est des tableaux qui se répondent bien. Tout à On a tous les deux fait des références à l'orientalisme comme ça sur ces tableaux, donc ça va. Et puis on a des formats aussi hyper variés, donc on arrive à jouer avec tout ça. Olivier, on le collectionne depuis déjà au moins une quinzaine d'années. On apprécie particulièrement le travail d'Étienne qui est très différent. Et on parlait de leur activité en France et il se plaignait un peu de l'amorosité française. Du fait que bon, les collectionneurs n'étaient plus forcément au rendez-vous comme avant. Enfin voilà, on évoquait tout ça. Et l'idée est venue comme ça, on leur a dit, mais vous ne viendriez pas, pourquoi pas, peindre, nous, on vous installe, on vous loue une villa et on crée une résidence d'artiste pendant 6 mois, vous venez à la maison. Et puis voilà. Et puis de notre côté, c'est vrai qu'on avait envie de ça aussi, vivre au contact d'artistes, c'est passionnant. Les avoir au quotidien à la maison, vivre avec eux, leur regard sur le monde est complètement différent. Et c'est vrai que c'est très très enrichissant, même pour nous, ne serait-ce que de les avoir avec nous au quotidien. Thank you.
découvrant le travail d'Olivier, j'ai été hyper séduit par le travail de la couleur, en fait, avec à chaque fois des plans successifs où on retrouve des teintes très différentes qui deviennent de plus en plus vives. Donc il y a là une couleur, également une lumière du coup qui est très forte, et plus on avance dans le tableau, plus on découvre comme des calques qui se superposent. Et donc il y a une profondeur qui est incroyable. Bah, moi ce qui m'a marqué vraiment dans notre rencontre, c'est sa jeunesse, parce qu'en fait ça se voit pas, mais je suis un petit peu plus vieux que lui. Et c'est vrai qu'il a une fougue, une énergie dans la manière d'attaquer la peinture. Et moi, c'est vrai que j'étais plus réfléchi, j'avais plus de, on va dire, d'ancienneté. Et le voir arriver comme ça, énergique, fougueux sur la peinture, je me suis dit, mais c'est lui qui a raison, faut que je reparte sur cette énergie, sur cette fougue. Donc voilà. Déjà, ce qui nous distingue tous les deux, c'est comme ça qu'on peut repérer facilement nos tableaux, c'est que Étienne travaille en noir et blanc et moi, je travaille en couleur. Donc déjà, on a une manière de nous identifier comme ça assez facilement. Moi, sur le travail de la couleur, le Maroc, c'est un lieu de lumière, en fait. Beaucoup d'artistes ont qualifié cette lumière comme étant solaire. Et moi, qui travaille vraiment sur la couleur et comment la couleur peut rendre la lumière, je voulais vraiment être baigné de cette lumière pour pouvoir travailler. Étienne et Olivier sont venus peindre environ 6 mois en résidence à Rabat au Maroc. Ils ont voyagé à travers les différentes villes importantes du Maroc, Marrakech, Tanger, Fès et Saouira, pour un peu s'inspirer de la magie du royaume. Les différentes expositions des artistes nous amènent à les exposer dans une galerie que nous allons ouvrir avec mon associé Olivia à Rabat, qui ne sera pas une galerie d'art, mais qui sera une galerie d'objets, de belles choses que nous allons présenter au public marocain, des choses que nous chinons un peu en Europe, aux États-Unis, mais aussi au Maroc, que nous achetons dans les ventes aux enchères, que nous trouvons aux puces. Nous allons aussi faire fabriquer beaucoup de choses au Maroc, grâce à l'artisanat marocain qui est d'une richesse inouïe.